Comment arrivent les peurs nocturnes aux enfants? Ça dépend de l'âge des enfants déjà. Ouais. Ouais, moi j'ai le côté imaginaire. Quand tu les prends tout petits, bébés alors? Bébés, ouais, quand ils sont bébés. Quand ils pleurent la nuit de peur. Qu'est-ce qui provoque ça? Alors, pour un bébé, je dirais entre 0 peut-être et 6 mois, c'est comme si l'enfant, la nuit, bon, il y en a, et bon, il se réveille pour manger, etc. Il se réveille parce qu'ils ont faim. Il y en a d'autres, on a l'impression que leur lumière dans la nuit, alors il y en a, ils laissent leur bébé peut-être dans la nuit noire et profonde. Il n'y a pas forcément de veilleuse ou quoi, tu vois. Et ceux-là, en fait, tu as l'impression que l'enfant, on dirait un... Comment on appelle ça? Des vers luisants, quoi. Ça s'allume quand même la nuit, comme si la protection de l'enfant... Une protection qui se met en place. Pour des enfants lumineux, tu vois, comme si s'il y a quelque chose qui arrive dans le noir, paf, il s'allume, quoi. D'accord. Donc, ceux-là, ils sont plutôt bien. Oui, Sophie. Mais... Ah oui, c'est ça. C'est vraiment lié à leur lumière et à la capacité qu'ils ont ou pas, dès la naissance, de la mettre en marche, d'appuyer sur le bouton, ou alors au contraire, de chercher désespérément où se trouve l'interrupteur et du coup, ça les fait paniquer, en fait. D'accord. Ils ont besoin de lumière, en fait. C'est ça. OK. Donc, regardez celui qui sait allumer sa lumière. C'est que ce bébé a déjà une conscience assez élevée de qui il est. Et donc, quand il allume cette lumière, regardez autour de lui, dans son environnement, ce qui se passe. Moi, je vois tout de suite arriver les fées, les licornes, toutes les créatures douces et délicieuses de l'enfance, quoi. D'accord. Ouais, parce que lui, il dégage ça de lui. Oui, c'est très pastel, c'est très... Et que même si jamais, tu vois, il est dans le noir et que d'un coup, il sent comme une masse ou quelque chose de noir, il allume cette lumière et pof, toi, t'es comme des gardiens qui arrivent et puis qui lui font du bien, en fait. D'accord. Ah, en fait, c'est la créativité. Ouais. Wow. Et du coup, même s'il est dans la nuit noire, mais qu'il est conscient de cet interrupteur, est-ce que ça peut attirer des êtres obscurs autour de lui? Bah oui. Et regardez quand il allume la lumière, ce que ça fait. Ça les fait partir. Ouais. D'où le fait qu'après, on voit les fées arriver, tu vois? D'accord. T'as autre chose, Sophie? Non, non, c'est très beau. C'est exactement c'est ça. C'est magique. OK. Mmh. Regardez le bébé qui se laisse envahir, qui n'arrive pas à retrouver cet interrupteur. Mais il se fait manger par le noir, en fait. Ouais, puis il pleure, il crie. Il étouffe, il... Ça crée des failles, du coup, chez le bébé. Ouais. D'accord. Et là, les entités peuvent entrer. D'accord. Et du coup, comment il s'en dépatouille de ça? Est-ce qu'il y arrive tout seul? Ou la faille reste jusqu'à un certain âge? Ça crée une peur de la nuit? Tout dépend de son environnement, j'ai l'impression. Oui. S'il reçoit beaucoup d'amour, de compréhension, d'écoute, la faille va se réduire au fur et à mesure. Oui. Et s'il est tout seul et qu'on ne s'occupe pas de lui ou qu'on remet en question ce qu'il dit, ça s'agrandit en fait, ça s'approfondit. Alors, vas-y, Martina. Non, je disais qu'après, ça va créer en fait toutes les peurs en lui. C'est-à-dire la peur même d'ouvrir l'armoire, de regarder sous le lit. Tu vois, c'est comme si les parents, ils sont obligés de regarder partout avant que l'enfant s'endorme presque. Une fois qu'il y a un traumatisme qui s'est créé en lui et qui est resté et du coup qui crée la peur de la nuit, d'avoir un monstre sous le lit, etc. Et c'est drôle parce que même quand tu vois cette peur et que tu mets une lumière,
malgré tout, bah, l'enfant, même de par la lumière, il peut voir les ombres, tu vois. Mmh. Oui, Sophie, qu'est-ce que tu as perçu ? Oui, c'est un peu comme on m'a montré la cicatrice d'Harry Potter, en fait. Mmh. D'accord, c'est-à-dire ? Bah, c'est un peu comme ça, ça s'imprime en fait à l'intérieur, cette peur primale. Ouais. Et après, ça développe toutes les autres peurs autour de ça. D'accord. Regardez l'enfant qui grandit avec cette peur. Qu'est-ce que ça crée en lui ? Moi, j'entends des faiblesses. Mmh. Ouais. Et puis, ça va créer de plus en plus de peur, en fait. Mmh. Et des faits physiques aussi, par exemple la nurésie, c'est ça ? Quand on fait pipi. Ah oui. C'est en lien. Ça, ouais. C'est pour ça après, que... oui, ça vient dans la physicalité, en fait. Exactement. Et du coup, ça fait plein de mots MAUX, c'est-à-dire ouais. Bah, la nurésie, la crise d'asthme. La crise. Mmh. Voilà, même de la dyslexie. Oui, bah, je ne suis pas étonnée. Hein. Là, mmh. C'est sûr. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bah, regardez ce que ça crée d'autre. Et comment on arrive à les sortir de là. Alors, c'est drôle, ça. Vas-y, Sophie. Non, vas-y, je t'écoute, moi, je regarde. Bah, c'est étonnant parce qu'on a l'impression que toutes ces faiblesses, c'est comme si l'enfant était en quête de retrouver sa lumière. Eh ben, c'est exactement ce que j'avais. En fait, il faut qu'il retrouve absolument toutes les figures qui le réconfortaient, c'est-à-dire les fées, les licornes, toutes ces créatures, en fait, il faut qu'ils reviennent dans sa vie. Oui, mmh. Mais si l'adulte lui dit que ça n'existe pas. Eh ben, bah, voilà. Et voilà. Donc, c'est tu restes problème. Avec ton problème ou ton handicap et que du coup, c'est comme si... Alors, c'est comme quoi tout est bien fait parce que j'ai quand même des enfants qui, même s'ils sont autistes ou autres, tu vois, il y a finalement, quand on est en quête, on peut voir qu'il peut y avoir une personne qui arrive qu'on peut considérer comme une fée. Ça peut être un adulte qui vient donner des soins. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ou un adulte qui entre dans la vie de l'enfant et que l'enfant, il dit « Oh, j'adore cette prof, machin, là, là. » Oui. Et que finalement, c'est ça qui emmène sa nouvelle lumière et qui lui touche dans le cœur. Mm-hmm. Et de par les paroles, eh ben, ça va l'emmener dans cette quête à aller chercher en fait sa lumière. D'accord. Donc, les enfants qui sont atteints de nurésie, d'asthme, de stress récurrent, etc., peuvent s'en sortir s'ils comprennent que ça vient de là, de l'enfance, de cette peur nocturne. Surtout qu'ils ont la capacité d'allumer leur propre lumière, en fait. Mais si on ne leur dit pas. Mais si on ne leur dit pas où elle est, tu vois, c'est ça. Le fait d'après, tu rencontres toujours forcément quelqu'un. C'est ça, en fait. Ouais. Qui va justement te montrer où est la lumière. Même si ça prend du temps et que tu deviens adulte, tu vois, c'est drôle hein, comme truc. Hein. Incroyable. Vas-y, Sophie. Non, c'est ça. C'est un chemin. C'est rigolo parce qu'en fait, moi, dans mes cours, je parle beaucoup des fées, des licornes. Mm-hmm. Et en fait, la première fois, ils me regardent comme si moi, j'étais folle. Ouais. Parce qu'on leur a tellement mis dans la tête que ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Et en fait, au fur et à mesure des cours, ils me posent toujours de plus en plus de questions, en fait. Mmh. Parce que ça les interpelle. Mmh. Et oui. Bah oui, on parle souvent de monstres, mais on ne parle pas de fées. Mais ça, on est très responsable par rapport, ne serait-ce que les contes. Hein. Oui, voilà. Bah oui, regardez tous les contes qui ont été faits. Soi-disant, on doit transmettre aux enfants. Moi, mes dernières années de maternelle, je ne faisais plus de contes. Hein. Ben oui, parce que regarde, quand tu vois le petit chaperon rouge avec ce loup là. Non, mais c'est horrible. Qui bouffe la grand-mère, qui bouffe tout le monde. Oui. Eh bien, justement, regardons une salle de classe où la maîtresse raconte à des enfants maternels ce genre de conte. Regardez en eux ce que ça crée en eux. Ben, ça crée la peur. Hein. Ah oui. Donc, il y en a qui ont la force de passer par-dessus, d'en rigoler. Et puis, il y en a d'autres qui sont touchés.
ça les atteigne. Bah, regarde la nuit qu'ils passent après avoir passé à l'école, être passé à l'école et avoir entendu cette histoire de conte. Et bah, tu vois, c'est drôle parce qu'on voit qu'il y a des enfants qui font des cauchemars, du coup. Et t'as des enfants qui en parlent à leurs parents et que le parent dit « Oui, mais non, mais t'inquiète pas, ça n'existe pas. » Donc, du coup, il est perdu, l'enfant. Bah oui. Entre les dires de la prof et les dires de ses parents, qui croient, finalement. Donc, ça crée quoi ? On a une dystopie ? Bah, c'est là où ça crée le doute, les peurs, ouais, pour ceux qui n'en avaient pas, par exemple. Plus les peurs des adultes. Oui. Ah bah oui. Parce que les enfants sont des éponges. Donc, t'imagines le gloubi-boulga que ça fait dans leur tronche, les pauvres petits. Ouais. Donc, quand ils voient des monstres sous le lit, parce qu'on sait que les enfants ont une visualisation un peu plus précise que l'adulte, puisqu'il est encore ouvert à plein de choses, ils voient vraiment des monstres sous le lit. Moi, ouais, j'ai un oui. Hein. Ouais. Mmh. Et comment ils les perçoivent, les monstres ? Il y a catégorie, il y a tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. Selon le conscient, la conscience de l'enfant. Ouais. Et puis le type de monstre. Ouais, selon et comme... la créativité, en fait. La créativité de l'enfant, il en profite pour jouer sur sa peur encore plus. En fait, si on veut leur donner des billes pour qu'ils puissent s'en sortir par rapport à ça, eh ben, il faut développer leur créativité. Oui. Parce que s'ils sont capables de se créer leur propre monde idyllique, alors ils sont sauvés. Et oui. Et oui, en fait, mais on les pousse à créer un monde aussi de plein de monstres. Donc, il faut qu'on leur donne aussi l'autre face, quoi. Ça existe aussi. On peut se défendre comme ça, quoi. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai même des enfants qui les dessinent. Tu vois, qui vont dessiner leur monstre. Tu sais, ça fait un dessin très, très noir, quelque part, tu vois. Mais au moins, l'enfant, il le dessine. Donc, c'est-à-dire qu'il, même s'il ne le dit pas verbalement, oralement, il va le dessiner. Donc ça va l'aider aussi à le sortir, entre guillemets. Sauf si les adultes qui regardent le dessin derrière, ils sont un peu « Oh, bah dis donc, ton dessin n'est pas très beau, tu sais, presque. » Alors que l'enfant dessine ses terreurs, en fait, ses peurs. Oui, il les expulse de lui. C'est comme une thérapie, finalement, de les dessiner. Bah oui, et c'est pour ça qu'après, alors que le prof va faire quoi ? Il va prévenir les parents pour dire « Attention !» Votre enfant, il fait des trucs pas très bien. Ouais, c'est très noir. C'est très noir quand même. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Ouais. Est-ce que ça peut les pousser justement ces peurs à aller un peu plus loin dans leur délire de peur justement ? Qu'est-ce que peut créer ? Ça peut aller jusqu'au suicide. Voilà, c'est exactement c'est exactement ça. Et là, c'est dur. Hein. Voilà. Bah, ils ont une vie de merde, quoi. Ouais. Parce qu'en fait. Tout autour d'eux est noir, plein de monstres. Personne ne les rassure. Ben ouais. C'est dur de voir ça. En plus, ils les voient jour et nuit après. C'est pas que la nuit. Ah ouais, d'accord, ça s'installe dans le quotidien. Exactement. Regarde quand ils deviennent adultes, vers quoi ça les pousse en fait, du coup. Côté rebelle, quoi. Ouais. T'en as qui partent dans des dérives en fait. Oui, des addictions. D'autres, ça va être la dépression. Puis très pauvre à l'intérieur, quoi. Incapable de se dire je peux m'en sortir. Incapable de se souvenir de la lumière qu'on a en nous, qu'on peut activer. Ouais. Ça. Et sans aide en plus, parce que de base, c'est les parents, tu vois, c'est eux les premières personnes qu'un enfant pense qu'il va les protéger. Alors, quel conseil on peut donner à tous les parents qui ont des enfants qui souffrent en ce moment de terreur nocturne ? Bah déjà, si c'est des bébés, de mettre une lumière, s'il n'y en a pas. Une petite lumière, une petite lampe de chevet. Est-ce que cette petite lampe de chevet peut leur rappeler leur propre lumière ? Oui. Ouais, et là, c'est comme si
finalement, tu vois, ils se réveillent, ils voient la lumière et paf, ils rallument la leur. D'accord. Ça leur rappelle donc qu'ils ont ça en eux et qu'ils peuvent l'allumer. Mmh. Mmh. Quoi d'autre ? De la musique, de la belle musique douce. Et ouais, à la place de raconter des histoires là. De contes, ouais. Eh bien, tu fais chanter les enfants le soir. C'est ça. Donc, tu sais, une belle chanson pour l'aider à dormir. D'accord. Et utiliser pas forcément... Vas-y, vas-y, Sophie. Oui, oui, non, mais c'est ça, utiliser des notes, des harmonies pour vraiment... Parce qu'ils sont très connectés à ça. Mais oui. Et, tu... Et en plus, ça fait dormir un enfant, une belle musique, tu Il sais. Il me semble que... bien. Ou que ce soit la mère ou le père qui chante, tu sais, sans forcément mettre un disque, hein, ou au contraire, tu vois, que ce soit les parents qui chantent, qui entraînent l'enfant à chanter après cette chanson, parce qu'elle va lui rester dans la tête. Et ouais. C'est ça qui va le... C'est marrant, parce que là, quand on voit ça... Même l'enfant qui grandit où il n'y a pas ses parents qui viennent le soir le border, parce qu'il est plus grand, eh ben, il va chanter cette chanson avant de dormir. Mmh. Même si c'est une chanson, une comptine ou autre, mais au moins, il va la chanter, ça va le rassurer, tu vois ? Oui. Plutôt que de repenser à des contes ou des histoires bizarres. Oui, oui. Il y a des mamans ou des papas aussi qui prennent le bébé et ils chantent, les posent contre leur torse. Mmh. Regardez ce que ça crée, la vibration du son du parent sur l'enfant. Oh, c'est beau. C'est une très surtout quand raison. Tu bah de toute façon quand tu chantes avec le cœur avec un bébé ton bébé dans les bras, ça vient du cœur, on a l'impression que même l'enfant ressent les battements du cœur en plus de la musique, tu vois, c'est une belle vibration, c'est très beau. Sophie. Oui, c'est ça, oui, ça fait une résonance et ça atteint son cœur. Et ça lui fait comme une sorte de protection du coup. Autour de lui. Ah oui. Ah, naturel. Oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un super conseil pour les parents, c'est... les jeunes parents. Et c'est marrant parce que j'ai aussi le côté où, tu sais, le parent qui chante, qui s'arrête de chanter, qui pose le bébé et que le bébé il se remet à crier. Et que là, en fait, finalement, plus tu chantes et plus tu poses l'enfant et tu continues à chanter et que l'enfant, après, il est comme ça et que là, ouais, c'est trop bien, quoi. Ah, oh, c'est trop bien, franchement. Et les parents impatients, vas-y, t'allais dire quelque chose, Sophie. Oui, en fait, c'est il faut les entourer de beau, de ce qui est beau. Et ce qui est beau, bah, c'est avec le cœur. Et c'est aussi avec les cinq sens. Donc, on peut leur montrer aussi des jolies images de paysages, comme leur montrer la Terre est belle, des œuvres d'art, mais pas des histoires avec des personnages qui font peur, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, on a les contes, mais il y a aussi le monde de Disney. Ouais, c'est horrible. C'est juste... Regardez le monde Disney, ce que ça engramme chez l'enfant. Bah, c'est pareil que les contes. Hein. Dans Disney, t'as le Mickey qui est gentil avec Minnie, sauf qu'il leur arrive toujours une histoire avec un être. Non, mais avec un être, même si c'est pas Mickey. Ouais, t'as toujours une histoire avec un être qui est là, qui va venir... Maléfique. Voilà. Alors, en plus, voilà, il y a des êtres, ils s'appellent vraiment comme ça. Tu vois. Bah oui, donc regardez s'il y a des messages subliminaux qui arrivent jusqu'à l'enfant. Ouais, c'est ce que j'entends, en fait. C'est, ça y est, la manipulation sociale commence. Voilà. D'accord. À partir du moment où on les endoctrine... Bah, on leur montre des gens qui chantent avec de belles mélodies. Oui. Comme on nous montre une société magnifique. Et en fait, non. En fait, voilà, si on creuse, on se rend compte que non, on leur montre que des choses qui vont les terroriser, en fait. La mort, la situation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que les pratiquement montres, tous les Disney travaillent là-dessus, hein, sur la mort, la séparation. Il y a toujours un obstacle, en tout cas. Il y a toujours des gros obstacles, en plus. Ouais, hein. Voilà. Et c'est vraiment basse fréquence. Ouais, puis c'est vraiment le côté vraiment, bah, c'est morbide. Parce que même si on voit la nana qui chante super bien avec sa belle voix, quand tu écoutes les paroles, elle souffre un peu, la nana, quand même, tu vois. Ouais. Et même quand je te disais Mickey et Minnie, c'est vrai que. Oui, c'est vrai, les petites BD de Mickey et Minnie, il leur arrive toujours un truc, tu sais, il faut qu'ils sortent d'une histoire pour. Enfin, d'un être qui va venir les embêter pour pouvoir machin. Donc, c'est pareil. Mais même dans les images qu'ils proposent, il y a
des images subliminales par rapport au sexe aussi. Est-ce que ils le sentent, ça, les enfants? Non, moi, j'ai pas ça. J'ai plus le côté morbide. Enfin, la peur des monstres, la peur des trucs, ouais, de la mort, tu sais, qui arrive. C'est un tout, en fait, qui arrive. Ouais. Oui, et puis, ce sont des choses qui les touchent énormément, parce qu'un enfant à 3, 4 ans, c'est là où il a une vision de la mort, et, enfin, il en prend conscience. Bah oui. Et c'est là où on commence à leur montrer les Disney, et là, chla, c'est... Ouais. Je pense que tous les adultes, en fait, par exemple, ont été choqués de l'histoire de Bambi, quoi. Bah, oui. C'est pas très chouli-chouli, j'ai envie de dire. Que, bah, je pense qu'on a chacun de nos Disney, en plus, qui nous ont choqués. Qui nous ont marqués. De qui on était. Moi, je me rappelle très, très bien, c'était Pinocchio. Ah ouais. Donc en fait, tout est fait, ouais, tout est fait pour nous toucher tout à chacun dans notre propre conception de la vie, de notre conscience. Mmh. Ils savent où toucher, en fait. Bah ouais, ouais. Parce que moi, c'était Rocks et Rookies, par exemple. Ouais, moi aussi. Tu vois. Ah, moi aussi, il m'a marqué ce film. Ouais. C'est pas et c'est marrant, et c'est drôle parce qu'on voit cette amitié des animaux et après cette chasse, tu vois, avec ce chien qui devient en fait le chasseur et qui. Ouais. Avec cette amitié qu'il a, tu vois, alors qu'en fait, non. Et c'est drôle parce que pour les enfants, ça marque. Bah oui. Ça marque dans le sens où, bah là, pour Rocks et Rookies, l'amitié entre deux personnes et qui peut s'avérer après, bah, morbide, entre guillemets. Pour Pinocchio, on a plus le côté mensonge, tu vois, de Pinocchio, ce petit truc. Et c'est comme si on a, en fait, c'est ça, on influence les enfants sur tout ce qui se. Qui est dans la société, c'est-à-dire le mensonge, la mort, c'est tout ce que tu vas côtoyer, en fait. De quel côté tu vas te trouver ? Voilà. C'est un peu ça. C'est comme si on leur disait, de quel côté tu vas te trouver ? Ouais. Tu vas être le chien qui va courir après le renard ou tu vas être le pauvre renard ? En fait, on est vraiment... Ah, ben ça y est, j'ai compris. Tous les Disney, c'est des triangles de Cartman. Et oui, bourreau, victime, sauveur. C'est exactement ça, parce que en plus, comme là, on parle de Rocks et Rookies, et c'est vrai que quand tu vois ce renard qui lui dit à ce chien, mais attends, on est des potes, enfin, on est des amis, quoi. Tu vois, on se connaît depuis petit, et que ce chien, bah, sur le coup, il est là, mais il est prêt à suivre son maître. Mmh. Et donc, dans les enfants, tu te rends compte ? Oh, bah oui. Mais tout est fait dans la société pour donc manipuler, endoctriner, conditionner. Et pour qu'on ait un de ces trois rôles tout le temps. Voilà, on exactement. Pas, en fait. Et dès son plus jeune âge, déjà. Mm. C'est d'où après le fait qu'on voit, alors là, c'est bizarre ce que je vois, mais c'est comme ça, d'où le fait après qu'on voit aussi des enfants qui harcèlent, tu sais, le côté harcèlement scolaire. Oui. Oui. Ces enfants qui se prennent pour des brouteurs. Bah, regardez ces enfants-là. Ah, ça, par quoi, qui ils sont gérés. Alors, vu qu'on est dans les Disney... Moi, quand je vois dans les Disney, ben là, tu vois, quand je vois les harceleurs, je les appelle les Raptou. Tu vois les frères Raptou dans Donald, qui sont là, qui raflent tout, qui sont là pour faire du mal, quoi. Ouais, moi, c'est marrant, tu vois, dans les harceleurs, je vois plutôt Picsou. C'est un personnage qui m'a toujours donné envie de vomir. Ben ouais. Comment il peut faire ça à son neveu, quoi. Ouais. Mais tous les êtres, tu vois, patibulaires. Oui, ben voilà. Tout... Attends, on les connaît, hein, nous, nos Disney, dis donc. Ouais. Et du coup, c'est peut-être bien, ça, c'est peut-être un côté cool de ressembler aux méchants. Ben oui, pourquoi on serait tous des gentils ? T'as des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils comprennent très vite qu'être victime, c'est subir. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas être un chef, quoi. Ouais, c'est subir surtout. En fait, c'est les harceleurs, ce sont des grands peureux. Ouais, oui. Et c'est subtil, la peur, hein. Ouais. Ils ont la peur. Corps, mais ils la dépassent par de la colère, de la méchanceté, du vice. C'est comme si c'était plus eux-mêmes, en fait. Ben ouais. On les a changés. Les voit doubles. Ouais. Ils se sont dissociés. C'est un peu ça, ouais. De leur part. Parce que la nature de l'enfant, elle n'est pas comme ça. À la base, non. Donc tout est fait pour créer cette dissociation chez l'enfant. Et créer cette dualité même. Mais très tôt. Ouais. Pouvoir les manipuler très tôt. En fait, on fait en sorte que les monstres dont ils ont eu peur, eh ben, ils deviennent ces monstres. C'est voilà, exactement. Plutôt que la fée, quoi. Et t'as ceux qui vont voir les monstres du côté presque non, c'est pas grave, j'ai pas peur, c'est un dessin animé. Bah, plus tard, ils ont super peur de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'enfant. Ouais, il y a une influence quand même.
et ben t'as l'enfant qui lui va regarder le film et se dire ouais bon, comme si ça n'existait pas, ou presque de se dire bon ça me fait peur mais je sais que c'est un film, et que dans la vraie vie se retrouve confronté à ces êtres-là finalement. Ouais, parce qu'il y a une réminiscence inconsciente chez lui, ouais, de ce qu'il a vu petit. Voilà. Parce qu'en fait, on ne peut pas regarder n'importe quoi en étant indifférent. Oui. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui regardent plein de choses hyper violentes, hyper sexuelles, hyper amorales. Et je les vois d'ailleurs, c'est très intéressant, enfin, c'est interrogeant. Ils ne réagissent pas. Non. Ils regardent des films d'horreur, ils ne réagissent pas. Mais je ne sais pas comment vous faites en fait. Parce que dès petits, ils sont déjà conditionnés dans ça. Dans ce côté bad, en fait. Bah après, tout dépend, parce qu'on a aussi quand même des jeunes d'où les parents, par exemple, pourraient prévenir. Tu sais, il y a de la prévention, il y a tous ces trucs-là. Il y a des parents qui préviennent les enfants, voilà, qui vont dire, bon, écoute, les films d'horreur, c'est pas vrai, ça, c'est du cinéma, c'est du faux sens, c'est du faux truc, tu vois ce que je veux dire ? Qui va entraîner, en fait, l'enfant à garder quelque part au fond de lui que c'est pas vrai, tu vois, et qui fait qu'après on a l'impression quand même, comme dit Sophie, que c'est des enfants qui réagissent plus après, bizarrement. Ils voient des trucs d'horreur dégueulasses, hein. Bah non, ça existe pas. Tu vois Halloween, quand tu vois des gamins qui achètent le faux sang, qui font leur faux truc sur le visage, comme s'ils avaient envie de ressembler à ces gens-là, puis ils se disent, bah ouais, mais c'est du faux, c'est pas vrai, mais quand ils se regardent dans la glace, ça fait comme une autre personnalité, là, tu te dédoubles. Tu vois ce que je veux dire ? On est vraiment là, c'est vrai que on part dans tous les sens, mais c'est une manipulation, finalement. Ça reste de la manipulation encore. Parce que quand je vois ça, quand je vois même quand tu peux dire à ton enfant non, ça n'existe pas, c'est du cinéma, du machin, des trucs, l'enfant va se faire son film tout seul. Mais après, quand il arrive un moment où tu vas mettre un masque, où les enfants font des trucs, et ben là, on a l'impression d'un dédoublement de personnalité. D'accord. C'est bizarre, hein, comme truc. Ouais, ouais. Autre chose, Sophie ? Non, c'est comme si. Je sais pas, on parle d'éducation. En fait, l'éducation, en fait, c'est pas dire tu es poli, tu te tiens bien droit à table. L'éducation, la vraie parentalité, c'est de permettre à l'enfant de garder sa lumière, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Alors, permettons aux enfants de garder leur lumière en étant nous-mêmes vigilants sur ce que nous projetons devant eux. Nous lisons pour eux, parce que c'est prendre conscience que tout ce qui a été mis en place, c'est pour manipuler, nous conditionner jusqu'à l'âge adulte, en fait. Oui, carrément. Okay. Et c'est vrai que plus tu vas dire à l'enfant de garder ça, quand tu leur dis de garder leur lumière, de garder même au niveau du cœur, l'enfant, il va la garder dans son cœur. Il va comprendre qu'après, tout vient de là. Ouais, tout ça, c'est en train de s'effacer aussi. Hein. Tout ce qui est entertainment, endoctrinement. C'est terminé pour vous, les amis. C'est terminé. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, franchement, quand on voit ça comme ça, c'est vrai que c'est étonnant parce que quand tu vois toutes ces peurs que les gamins ils peuvent imaginer, tu vois, tu ouvres une armoire, « Oh non, j'ai peur !» Et tu vois même sous la douche avec un rideau, t'as l'enfant qui a peur qu'il y a quelqu'un qui ouvre le rideau comme ça. Ouais. Tu vois ? Ouais, parce que c'est toutes les images aussi qu'ils voient dans les films. Dans les films, et puis l'imaginaire de ce qu'ils entendent, des contes, de tout ça, en fait, tu vois ? Oui. Et là, ils imaginent tout, hein. Et c'est vrai que c'est drôle parce que quand on voit ce bébé où on met une lumière et là, hop, cet enfant qui va se retrouver avec des fées, etc. Et ben après, quand il va grandir, au fur et à mesure qu'il grandit, même pour lui, tu sais, même son imaginaire qui veut lui faire peur, il se dit bah non, ça peut pas. J'ai la porte fermée de la salle de bain, on peut pas rentrer, tu vois. Mm-hmm. Et c'est marrant ça parce que t'as des enfants, ouais, t'as l'impression qu'ils ont peur sous la douche quand même. Mais c'est peut-être des réminiscences de vie antérieure qui se répètent dans une autre vie avec une peur précise, petit.
Ben, j'ai oui et non. Oui. En fait, on est des êtres hyper complexes et à chaque fois, il faut enlever des couches pour comprendre. Mmh. Et nous, donc, on nous met des couches pour qu'on ne comprenne plus. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça le voile. Hein. Ouais. Comme on dit, hein, on peut considérer que c'est un voile et qu'à un moment donné de ta vie, tu oublies que tu es une lumière et que tout ça, ça n'existe pas. Mais après, attention, parce qu'il y a quand même aussi cet imaginaire qui peut être créé, mais ça peut être aussi le fait de se retrouver dans des endroits où il y a des entités. Et puis là, forcément, l'enfant peut les voir. Comme alors, ce fait d'être sous la douche et que ce rideau qui s'ouvre et que, tu vois, tu pourras avoir peur. Alors, un conseil pour les jeunes parents. Enlever la peur des enfants dès leur plus jeune âge, en fait. Ne serait-ce que par leur mettre une lumière, chanter, leur montrer des belles images au lieu d'un conte avec des loups. Ouais, c'est ça. Toi, tu vois, regarder le ciel avant d'aller au lit, voilà, regarder les étoiles. Les étoiles. C'est vrai que c'est un peu cucu, mais c'est vrai que c'est il y a que ça qui marche quelque part, tu vois. C'est cucu parce que les gens, nous disent, mais sinon ça ne l'est pas, c'est ça la vie en vrai. Mais oui, parce que nous, on a été, entre guillemets, habitués à ça, entre « vas-y, raconte une histoire avant de dormir à l'enfant », au lieu de chanter, montre-lui un dessin animé avant de dormir, bah vas-y, hop, tu vois, il y a toujours un truc en fait. Donc sortir de tout ce qui existe et d'être créatif en fait. Nous-mêmes, ouais. On peut créer nous-mêmes nos histoires, créer nous-mêmes nos mélodies. Ouais. Exactement. Et toujours dans le côté lumineux et plein d'amour, quoi. Ok. Plus d'informations, c'est ok. Bon, après, ça serait trop large de continuer dans le sens où il y a des parents qui n'ont pas forcément une belle vie et qui fait que l'enfant peut-être est là aussi pour les sauver, pour certains. Puis d'autres enfants qui sont là pour subir. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y en aura de moins en moins de ça. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi ? Bah, les nouveaux enfants, ils ne sont pas venus pour ça du tout. Ça, c'est nous, ça. Nous, ça, c'est vrai, c'est l'ancienne génération, ça. C'est les anciens. D'ailleurs, on était venus pour ça. Ils ne regardent plus la télé. Hein. Ouais, et déjà. Puis, les nouveaux enfants ne sont pas venus pour ça. Voilà. Donc, ils se dissocient plus vite de leurs parents. D'accord. Oui, c'est vrai. Pour ne pas être imprégnés par leur peur. Voilà. Mais ils ne sont pas là pour ça. Donc, eux, ils tracent. Ils ne sont pas là pour récupérer le stress, les peurs des parents. Là, ils se disent, non, moi, je trace. Hein. Super. On les voit, ils les aiment. Mais comme nous, on nous demande aujourd'hui d'aimer, en fait, le monde, l'humanité, les animaux. C'est-à-dire qu'on est attachés, mais nous, on est importants aussi. Donc, on ne fusionne pas avec l'autre. Ouais, et c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi je vois aussi des enfants qui peuvent tracer, tu vois, et que derrière ça laisse une lumière à leurs parents, tu vois, pour qu'eux ils se réveillent. C'est le phénomène inversé. C'est pour ça que je dis toujours, moi, que ce sont nos maîtres de demain. En fait, et il faudra juste suivre leurs pas, en fait. Ben ouais, c'est ça. Et nous, comme on est dans la génération transitionnelle, c'est compliqué. Pour beaucoup d'adultes comme nous, de se remettre en question et de se dire, ce sont nos jeunes qui savent mieux que nous. Ouais. Et oui. Parce qu'avant, au niveau des anciens, c'était les anciens qui enseignaient. Bah oui. Et là, c'est l'inverse, en fait. Ouais. Et même n'importe quel parent pourra te dire que, mon enfant, il a fait ça, j'ai été étonnée à son âge qu'il fasse ça, tu vois. Et ben, c'est exactement ça. C'est l'enfant qui transmet la lumière aux parents, qui sont encore trop dans leur truc d'endoctrinement, et qu'après, lui, il continue à tracer sa route. Mais au moins, il laisse quelque chose à ses parents pour qu'ils se réveillent et que, hop, ça entraîne les autres, tu vois. Donc, le nouvel enfant qui est là, la nuit, lui, sa lumière, elle est déjà intacte, elle est déjà activée, quoi. Ah bah oui. Il sait exactement. Bah, ils sont hyper puissants. Waouh. Ah ouais, vraiment. Vive les nouveaux enfants. Ouais, c'est clair. Magnifique, merci pour toutes ces informations, les filles. Ouais, merci à toi. Voilà, on a fait les peurs nocturnes. En plus, c'est bien, c'est avec toi. Tu travailles avec les enfants, donc ça peut être vachement cool pour les parents de savoir ça, quoi. Que...
Ah, c'est hyper important, surtout bah, avec ouais. Il y a Netflix aujourd'hui, il y a Prime Video, il y a, tellement toutes les écoles qui transmettent les comptes. Ça fait partie du programme, bien sûr. Hein. Ouais. Bah, oui. Dans les programmes de maternelle, c'est dit raconter les comptes, travailler dessus. On travaille des semaines et des semaines dessus. Mmh. Et toi, et c'est qui... marrant, hein, parce que moi, je sais que je mettais de la lumière à mes enfants quand elles étaient petites. Enfin, un bébé jusqu'à un certain âge, et aujourd'hui, elles dorment sans lumière. Ah oui, parce qu'elles ont plus besoin. Elles ont confiance en elles, donc il n'y a plus besoin de ça. Et c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir des réponses aussi par rapport à nos enfants, tu vois. Ouais. Puis toi qui crée ta propre façon d'éduquer les enfants en étant sortie de l'éducation nationale et en ayant créé ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça te donne des réponses par rapport aux enfants que tu vois Ah bah, carrément. En fait, ça me donne encore plus envie d'aller vers ces univers merveilleux, quoi. Qu'on leur enlève de plus en plus jeunes. Puis c'est très, très sexué. Moi, je vois les licornes, c'est les filles. C'est les fées, c'est les filles. Et les garçons, alors que dans ma classe, la dernière année, j'ai travaillé sur toutes les créatures magiques, justement, comme ça. Donc, on les a tous fait. Les licornes, Pégase, les lutins... Enfin bref, mais les garçons, ils étaient hyper, hyper connectés à ce genre de choses. Et c'était dur avec les parents de leur expliquer qu'une licorne, c'est pas que pour les filles, quoi. Eh oui. Bah ouais. Eh bien, en tout cas, mes amis, si vous avez des difficultés avec vos enfants, je vous conseille de contacter Sophie, qui est une personne extraordinaire et qui les suit en dehors du système. Mais c'est vrai, et c'est très important qu'il y ait des nouvelles personnes comme ça, des personnes qui mettent quelque chose de nouveau dans l'éducation de nos enfants, quelque chose de frais, quelque chose de vrai, du cœur, et qu'on raconte plus de mensonges à l'école aux enfants. C'est ça qui est important. Oui, c'est clair. Donc, je mettrai sous la vidéo les coordonnées de Sophie, si vous voulez prendre contact avec elle, discuter avec elle, avoir des conseils, etc. C'est quelqu'un de très ouvert et prêt à vous accueillir et à discuter avec vous. Merci à vous, Sophie, les amis. Et bienvenue, Sophie. Et ouais, c'est clair.